Claro, on y va. L'évidence a été tout de suite pour moi de photographier à Arles. D'une part parce que je n'avais pas de moyens d'aller quelque part sans avoir des moyens de production, de déplacement, etc. sur un projet qui était prévu de durer assez longtemps. Et puis d'autre part, c'était une évidence aussi parce que je vis depuis très longtemps à Arles et je n'ai jamais vraiment fait de travail photographique à Arles. À partir de ce constat-là, c'est les promenades avec ma chienne qui se sont imposées, elle aussi. J'ai pensé tout de suite à ça, parce que dans les promenades, eh bien, je parcours le territoire arlésien et autour. Ce sont des endroits que je connais bien, que je fréquente depuis quelques années. Ce sont des endroits où il n'y a rien de particulier, ce sont surtout pas, à part un seul, le pont Van Gogh, ce sont pas des endroits touristiques. Donc c'est Arles dans son quotidien et dans cette banalité du quotidien qui m'intéressait. En tant que regard sur ce territoire, pour le projet de France Territoire Liquide. Et puis j'ai pensé aussi à Pérec, donc quand il parle dans son livre « L'infraordinaire », justement de ces notions du banal, du quotidien, l'évident, l'ordinaire, l'habituel. Et lorsqu'il se demande comment rendre compte, comment interroger et comment décrire cet infraordinaire, ce banal. Toujours au bord du Rhône, mais c'est un endroit totalement différent, évidemment. Donc c'est à la fois entre le chemin de fer abandonné depuis longtemps. Il y avait une ligne de chemin de fer qui allait jusqu'au Sainte-Marie, jusqu'à 45, je crois, ou 44, quand le pont a été détruit par les Allemands, je pense. Et là, c'est aussi une espèce de friche industrielle. Il y avait un entrepôt. Enfin, tout ça est abandonné et dans un assez mauvais état. Mais bon, pour aller balader, c'est intéressant. Et puis, c'est aussi des espaces qui servent à rien dans la ville et des espaces de liberté, quelque part aussi. C'est ça qui m'intéresse. Alors que l'endroit précédent, c'était vraiment l'espace agricole. Donc, faire un petit tour là-bas. Je viens de passer au numérique, donc je me suis dit d'abord pourquoi pas faire des photographies au réflexe numérique, mais c'est quand même un gros appareil encombrant et jouer en même temps avec le chien, ça me paraissait difficile, ça me paraissait artificiel d'utiliser cet appareil-là. Et puis finalement, j'ai assez vite opté pour le téléphone, puisque aujourd'hui, c'est le téléphone, c'est l'appareil qu'on a toujours sur soi. Ce qui m'intéresse le plus, c'est une photographie assez immédiate, assez directe. Donc j'utilise ce téléphone comme si c'était un appareil sophistiqué. Et finalement, j'ai découvert que c'est un appareil assez sophistiqué, puisque je peux vraiment contrôler, intervenir sur la profondeur de champ, la lumière, la mise au point, tous ces paramètres-là, qu'on règle pas forcément, ou sur lesquels on n'intervient pas forcément dans son téléphone quand on fait juste des photos de vacances ou pour les mettre sur Facebook. Donc j'ai d'abord exploré le mode d'emploi du téléphone appareil.
pour avoir ces réflexes dans les prises de vue. Et voilà, donc je l'ai toujours dans la poche. Parfois je le sors pas. Et au fur et à mesure que je retourne dans les espaces que je fréquente toujours, parfois je redécouvre tout, c'est très excitant et je fais énormément de photographies. Puis il y a toujours la présence du chien aussi, qui est la plupart du temps hors champ, mais de temps en temps, ça frôle presque la mise en scène, puisque parfois je le fais venir pour avoir un bout de sa queue ou pour même l'avoir en gros plan avec le paysage derrière. Donc je l'intègre vraiment dans le travail aussi, mais en faisant attention toujours que ça ne devienne pas le sujet du travail. Parce que le sujet du travail, c'est quand même le paysage. Donc c'est les paysages du quotidien qui sont des paysages ordinaires aussi, mais ordinaire, ce mot-là, je l'entends dans un sens plutôt noble du terme. Parfois, il y a un certain ennui aussi qui s'installe pendant ces promenades, parce que bon, voilà, la répétition, ça engendre l'ennui aussi. Mais l'ennui, je le conçois pas comme quelque chose de négatif ou de vraiment ennuyeux finalement. Mais c'est un certain vide qui arrive et un abandon aussi. Et finalement. C'est des moments que je trouve très précieux parce que je me laisse entraîner, je me laisse aller comme ça, sans rien regarder de précis, sans penser à quelque chose de précis. Et c'est des moments aussi où finalement c'est du luxe d'avoir ces moments-là en dehors de tout, en dehors du temps, en dehors de tout le reste, en dehors du quotidien justement. Allez, ciao, c'est reparti. On y va. On continue la balade. On va voir là-bas. On va plus loin.